Belizer House. Et bonjour à tous les petits amis de YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Aujourd'hui, on va tenter de refaire un donjon en évitant les trolls. Ce serait plutôt pas mal. Plutôt pas mal dans le sens où... Bah ce serait pas mal, hein, d'éviter les putains de trolls. C'était, enfin je vous dis vraiment, c'était navrant et ridicule. Navrant et ridicule. Enfin, j'ai pas compris. Non, vraiment, j'ai pas compris c'était quoi son intérêt, ce mec-là. J'avais pas compris son délire. Bah, après... C'est ça le problème de ce genre de mec, hein. Voilà, c'est le problème de ce genre de mec. C'est pour vous dire, j'étais encore parti sur un nom plutôt cool pour notre épisode, vous voyez. Et là, j'ai carrément changé le nom parce que c'était vraiment ridicule. C'était vraiment ridicule. Ah ben, figurez-vous qu'on est presque... Il nous reste que 10 000. Sur les 21 000, donc on a déjà fait une bonne grosse partie de la moitié. Et ça, c'est cool. Alors, coffret en élémentium. C'est pas moi qui vais l'ouvrir, ça c'est sûr. Ça, c'est du 830, donc bon. C'est dommage, parce que crit maîtrise... Ah, j'aurais préféré... Ah, bah, c'est maîtrise crit, pour le coup, mais... C'est pas plus mal. Pas plus mal. Nous devons étoffer notre effectif, retrouver les flétris et apaiser leur colère. Je les enverrai à Shalaran. Hop là. Oh nice! Une petite pile de fourniture! Yes! Bon, ça, je suis obligé de l'ouvrir parce que j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur en fait que quand je l'ouvre, si je l'ouvre pas, ben j'en aurai pas en fait. Vous voyez? Je vais vous déchirer les entrailles! Ah! Je vais te déchirer les entrailles, humain! Attendez, je vais boire un petit coup. Y a rien de mieux, ça je vous le dis. Y a rien de mieux qu'un petit thé le matin pour s'éclaircir la gorge. Non mais voilà. Voilà, moi je suis un mec comme ça. Je mets les choses au point. Je mets les choses au point. Ok, on est passé pour des gros débiles avec cet abruti dans l'épisode précédent. Vraiment, je vous dis, ça m'a perturbé à un point. Ça m'a perturbé à un point que j'étais déconcentré, quoi. J'étais clairement déconcentré. Je veux dire, puis ça lui apporte quoi d'être un abruti comme ça avec les joueurs? À part se faire mal voir et contribuer à la mauvaise réputation de son serveur, entre autres. Je veux dire, ça lui rapporte quoi? Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait. J'ai du mal à comprendre ouais, voilà, vraiment. Je vous dis, ça m'a rendu... J'ai du mal à y voir ou à y comprendre un intérêt. Pourtant, je suis plutôt du genre compréhensif, quoi. Mais là, j'ai vraiment du mal à... J'ai vraiment du mal à y voir un intérêt.
On avance vite, hein. Bon, attendez, j'aimerais quand même bien d'abord finir ce truc. Il nous en reste quoi? Il nous en reste encore deux à trouver. Vous savez quoi? On va quitter la file. On va quitter la file. J'aimerais bien finir en fait cette expédition-là. Donc on va se relancer dans la file. On va se remettre dans la file. Hop. On a le temps de finir l'expédition. Bon travail. Je ne doute pas que chacun d'eux serait fier d'aider notre cause. Ça, je suis pas sûr, mais ouais, si tu le dis, t'as dit ça. Les châles d'oreilles fuient Ah bah, parfait. et les troupes des Lissandes envahissent le fourré cramoisi. Mettez les sacres nuits en déroute pour ouvrir la voie aux réfugiés. Dame Liandrine, tiens, tiens. Ça ne vous dit rien? Tout à fait, c'est la bonne femme de Hearthstone. Qu'est-ce qu'il vous fallait? À chaque fois, il m'attaque, c'est chiant là. Oh merde, c'est pas le bon. Ah, moi je me suis aventuré sur le mec alors que c'était pas le bon. My bad. Là par contre je lui ai mis une rouste à celle-là. Mais genre une belle petite rouste de fou furieux là. Il nous reste encore un ici, je crois. Non, il nous en reste deux. Ok. Merci. Et on va prendre celui-ci. Votre étoile pâlit à vue d'œil. Ah, mon étoile pâlit. Ils attaquent leurs concitoyens juste parce qu'ils veulent se mettre à l'abri? Quelle
l'ignominie. Elissandre devra payer pour ses crimes. Bah, au final, c'est pas tant Elissandre que ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est qui le principal responsable? Certes, c'est Elissandre, mais c'est pas Elissandre qui massacre son peuple. Ce sont ses gardiens, on va dire. Des gardiens avec des gros guillemets. Hein. Parce que ce sont des gardiens quand ça les arrange. C'était la petite pause micro. Hein? Parce que je suis toujours un petit peu malade, donc il fallait que je me mouche. Il n'y a rien de mieux que qu'un thé bien chaud, moi je vous le dis. Non, mais si vous entendez le bruit, regardez. Voilà, là vous savez que je suis en train de me préparer mon petit thé tranquille à mon aise. Alors... Est-ce qu'on fait encore le donjon? Non. Il nous reste 8 minutes. Non, ça vaut pas la peine de faire le donjon. Alors, par contre, on va continuer du coup nos expéditions. Alors je sais bien, entraînement de flétrie, mais c'est pas ça que je veux faire. J'ai déjà commencé par donner à Val 3 et à Talistra, ce dont merci elles ont besoin en mana. Merci. J'étais sur le point de perdre le contrôle. Hop. Et ma petite Val 3. Voilà. Bon, ça fait qu'on a fait 800 de points de répute. Hein. Et maintenant, on doit se diriger vers la terrasse sans Peter Lune. Enfin, c'est... Portail vers la lune descendante. Mais après, ce sera sans Peter Lune. Enfin, vous verrez. C'est partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Des citoyens se sont armés pour tenir des abris partout dans Suramar. Cherchez les innocents en danger et menez-les en lieu sûr. Alors, on doit trouver des réfugiés qu'on doit amener en lieu sûr. Messager livre les informations et les ordres importants aux lieutenants répartis dans la ville. Interceptez-les et récupérez la correspondance qu'ils transportent. Mmh. Sauf que je vois pas de quoi on parle en fait. Si je pouvais savoir de quoi on parle, ce serait pas mal, ce serait mieux. Mais vu que là je sais absolument pas de qu'est-ce que je dois faire en fait. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Salutations. Puisse la lune vous sourire. Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Truc avec des réfugiés désespérés. Il peut pas y en avoir 5000 des réfugiés désespérés, enfin je veux dire. Ah voilà, ok.
Ok. J'ai trouvé. Donc en fait, il y a des mecs en difficulté et il faut les aider. Alors là, eux aussi sont en difficulté. Bah bien sûr. Sauf que là, bah, je vais avoir trois ennemis dans la gueule en même temps. Bon, c'est pas grave. Avec mon e-level, normalement, je peux les gérer sans problème. Donc, normalement, là je suis à 3. Hein. Lul! Il vient depuis Perpète les Bains, lui. Ah mais tranquille ou quoi? Le combat vous fait peur. Comme c'est intéressant. C'est pas une question de combat qui me fait peur là, c'est une question de l'ulse quoi. Une question de triple l'ulse. Il va me le compter pour moi aussi? Non, bah ben non, bien sûr. Pourtant, je l'ai tout autant sauvé que lui. But no way. Vous savez quoi? Je sens qu'on va faire cette quête débile là. Avec les couteaux. Ah ouais, 4 contre 1. Ok, je relève le défi. Challenge relevé. Eh ouais, mon gars. Bon, j'ai dû tout claquer, mais challenge relevé quand même. Sans vous, de nombreux innocents Ah sont bah, morts dans les rues. cool, merci. C'est une victoire modeste, mais importante. Maintenant, on va retourner à Chalaran, si possible. Et tout ça fait qu'il nous reste 30 secondes d'épisode, quoi. C'est dingue. Dingue. Eh, parce qu'il a fallu le temps qu'on trouve comment fonctionnait cette merde. On va arriver sous la barre des 9000, et ça, c'est cool.
Alors, les souffres-nuits. Et voilà. Chers amis, prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Salut à tous. Hé. Si. Tu pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là. Là, en dessous. Oui, voilà, t'y es presque. Voilà. Clique, et tu fais s'abonner. Voilà. Ça, c'est bien.